télé. Donc, à déterminer ta catégorie, on est à nos zones ébellées. Pour être Yamba, papaya. Donc, qui ont négligé ma domaine voilà, papa qui se retenait, papa de l'Omana, et mon papa de la Poutima. Donc, qui ont négligé ma domaine ceux qui t'ont négligé, malouba n'abango, bisson de ton père, bisson, on négligé de ton père. La bilanga, d'engue na mardi, instruction, na tina ya bilanga, a répété trois fois, kundulu, 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 et koufate. Et là, qui s'était dit, c'est kanyos, oyo, bilanga, ekei, tokoki, koboma, misala, nyos, wanate. Tozali na promesse, oye, papa, dengen, na pesa, qui était, banani, ba, olé, sa mokili, na bilanga, denge, tozali, kosala. Ma belé, ezali, belé, bisika, nyos, oh, le mot matata, c'est moi qui m'a mis à l'île. Oh, tu vas aller surtout en Afrique. Ma belle, oh, y a le mot matata, les amis. Ma belle, ming, basa, qu'on voit dans la vie, soya, qu'on voit dans l'île. Tu vas aller qu'on s'arrête. Et quand ça va combo, bilanga, tu zamba, y a le mot matata, tu vas aller qu'on s'arrête là, y a monté. Y a monté, tu s'arrête d'engouana, les en passe. Papa Mwamanza, papa Dalunga na kianga na bana ko lupeti. So ba pesi bino mabele, fo si nyoko chaka si nchaka ne, kuzo sala si nyoke kuzo kusala. Donc, bato ba kuzo kutala, ba kuyeba pita sono, ente a oh yezali isi ba bato. Po tuvali kusala. Meso ki mabele eza abandone, e kuzo la na biso pas. Yango, tona na manso wana, denge batata batiki di biso. Oyo promesse toza na mba papa batiki di biso ke biso nde togo yamba mokili mobiba. Sirtu awa na mkamba. Yau ba program nyonso baza kupesa biso togo kiko neglijete. Mabonde li pe misala togo kiko neglijete. Pe to yebiete tongo nyonso togo zalaka na tinsani ba tata na ba mama na tina bosombe mazout pe makambo mosusu denge kaka okokeli oyo nzambe apesi yo ba mone nyonso awa na Yelusalemi tosalelaka denge kaka okokeli otye na sani denge banimater bakobelela po ete totonga lingomba ya tata moyo mosantu. To silisi bona tonga lelo okomba tata mwana pe tata moyo mosantu. Amen. Amen. Thank you.
Thank you.
Voilà, mes chers amis, au nom du Père, qui, Papa, qui, solo qu'il est Lukelo, mon modèle politique, du Fils, dit Papa Dialungana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et le Saint-Esprit, dit Papa Diengenda Kuntima, celui-là même qui est sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kangani. Nous l'aimons à l'appeler dans le cadre, un instant s'il vous plaît. Ah, il y a Laura Tufombanza qui continue. Thank you.
Voilà, donc là, l'activité de la collecte volontaire, l'impôt volontaire va commencer. Donc, en Kamba, nous reprenons la parole, je disais tantôt, au nom du Père, qui, Papa, qui solo kele lukelo, mon modèle politique, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est mon modèle scientifique, et le Saint-Esprit dit Papa Diengenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimangu Kiangani, le patron de la quatrième et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, le chef spirituel et représentant légal de cette institution divine ici de cieux, ici de cieux, matrisée ici-bas sur terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba, la Nouvelle Jérusalem, le New Jérusalem, la Nouvelle Cité de Paix. Papa Simon Kimbangu, dite l'église qui est appelée Église de Jésus-Christ, cette institution, parce que le terme église, ça prête à confusion, c'est plutôt une institution, parce que c'est là qu'est née la nouvelle civilisation qu'on appelle le kimbanguisme. Donc, l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son voeu spécial, Papa Simon Kimbangu. Mes chers amis, on est aujourd'hui, nous sortons du temple de Nkamba à Nouvelle-Jérusalem, où nous avons suivi tout le programme de ce vendredi. Vous savez que le vendredi, on a un concert de chant dans un premier temps, parce que dans la semaine, nous avons deux journées de concert de chant, c'est-à-dire le mercredi et le vendredi. C'est une journée où nous avons une pensée pour l'action, la souffrance endurée par Papa Simon Kimbangu dans un premier temps. Le Christ, son fils, dans le départ à Nazareth, était qu'il est revenu en Kamba, Papa Dialungana Kiangani. Et les voilà, donc, entre autres, ses compères dans l'action ministérielle, donc Papa Diengenda, Papa Kisolokele, et Ngoudian Longo, cet iceberg, là, l'épouse Papa Simon Kimbangu, évidemment, ceux qui ont aussi accepté le sacrifice qu'on appelle généralement les Nkolé. Ceux qui ont accepté l'action de Papa Simon Kimbangu 121, qui ont connu les martyrs, déportés à des kilomètres, 37 000 familles, 150 000 martyrs. Et donc, c'est la journée qui est consacrée pour leurs difficultés, pour leurs souffrances endurées. Donc, le mercredi et le vendredi, ces journées-là leur sont consacrées. Nous, ici, donc, je disais tantôt, sorti du cadre de Nkamba, Papa Mfumambanza, Tata Nsongandila, le Mfumambanza, c'est-à-dire celui qui connaît les coins et recoins de Mbanza, la Nouvelle Jérusalem, Nkamba, hein, celui qui a pris la place de Mfumumvingidi, hein, connaissons le témoignage de Papa Ntula qui avait dit Papa qui se loquait pendant le segment l'appelait Mvingidi, c'est-à-dire celui qui prendra la place Vinganera Fulukia, celui qui a pris la place d'eux. Alors le cantique est venu le confirmer de la jam qui stipule que Monodia Lungana j'agis à travers Papa Mbenza André Kiangani, ils font partie de la famille des Lévites. Voilà, Papa et maman, donc j'ai tantôt on est le 6, on est à jour J moins 6. Jour J moins 6 de la date qui a fait que les dates soient dans le kimbanguisme. Si septembre 2024, on est à 6 jours, donc du 12 septembre 2024. Où nous allons célébrer le 137e anniversaire, 137. Donc, un siècle et 37 ans. Depuis que le Saint-Esprit s'est manifesté ici-bas sous le soleil. Le Saint-Esprit, la troisième entité en Dieu, parce que nous croyons en la Trinité, Dieu le Père, Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. Le Saint-Esprit. Donc, le Père de Jésus-Christ. Papa Dialungana. Et donc, 137 ans, nous serons le jeudi prochain. Un jour de Jupiter. Kankenge. Dans le calendrier Tata Kimbangu, le jeudi, c'est là, je ne sais pas, Juvenes Day, ou je joue de Jupiter, mais le jour de Nkenge, au Mando. Ici, je vous ai fait état des chiffres.
Ma communication matinale de ce Mediaki, le Mediaki qui est une structure de communication, qui parle des médias kimbanguistes, donc Mediaki, les médias kimbanguistes, tout ce qui est multimédia, c'est à Kimbang. Tout ce qui est communication, en web streaming, tout en fait W. Papa Zemam, chers amis followers, 6 septembre, si vous l'écrivez dans les chiffres que nous connaissons actuellement, les chiffres indo-arabes, comme ça qu'on appelle, mais j'ai un document de mon responsable mal nommé ici en France, le catéchiste Adrien Fouakasumbu, qui a pondu un article concernant les chiffres dans son livre qui nous a écrit. Ce livre-là, il est disponible. Le principe à l'origine de l'écriture Mandombe et ses implications. C'était en 2016. Papa Fouakasumbu Luwawanu, Adrien Luwawanu, c'est-à-dire le grand rendez-vous. Les chiffres, pourquoi les chiffres? Qu'est-ce qu'il est le chiffre? Qu'est-ce que c'est que le chiffre? Vous savez que cette humanité, ce monde n'est que conçu de chiffres. Puis oui. Nous, la science que nous avons, papa Simon Kimbangu, il a montré à papa Beladjo deux formes, deux éléments qui ont la forme de chiffres 5 et 2, que nous appelons Pakundungu et Pelekete. Chiffre, c'est en européen. Même pas. Et encore, ce mot chiffre vient de l'arabe. Siféré, le vide. 6, 9, donc le 9e mois, papa ou Ebelébé, mon grand frère, mon papa, dont cette nouvelle civilisation, le kimbanguisme, le mardi dernier, nous a étayé un élément. Il a parlé du mois de septembre. Qui, dans le mode calendaire que nous utilisons actuellement dans le 1 quart, qu'on appelle le 9e mois. Or, le chiffre 9, c'est un chiffre, c'est le plus grand nombre de chiffres. Mais oui, mes amis, je vais vous surprendre. Oui, c'est cela. Le mot chiffre vient de l'arabe siféré, le vide. C'est-à-dire qu'il y a un vide. La postérité ismaélique, donc l'islam, et qu'on sort les enfants d'Ismaël, l'enfant adultérien entre Abraham et Agar, donc né dans des conditions, pas dans le CNTP, il y a des conditions normales de pratique de pression, appropriées, comme on disait à l'époque en physique, en chimie. L'enfant est né dans des conditions inappropriées. Mais enfin, il est là. Parce que Agar est la servante du foyer Abraham-Sara. Et Agar, qui donc, dans son exercice, Sara, ne croyant pas à la promesse divine, demanda à son mari de s'accoupler avec maman Agar. Et de maman Agar, est descendu cet enfant qui est né, l'aîné de Ismaël, l'aîné d'Abraham plutôt. Mais quand la promesse divine s'est fait se manifester, en ce moment-là, Sarah chasse Agar. Agar fuit dans le désert. En fuyant dans le désert, avec son enfant, il dira, mais qu'ai-je fait moi? Moi, j'ai rien demandé. C'est elle-même Sarah qui m'a demandé à coucher avec son mari. Et on a eu une postérité. Et pourquoi on va me chasser aujourd'hui? Et Dieu dira, tu as entendu. C'est-à-dire Ismaël, qui a donné Islam. Ce sont eux que nous voyons aujourd'hui dans l'Orient. Et donc, je disais les chiffres dans leur langage que Dieu leur a disposé parce que chacun dispose. Nous, aujourd'hui, en Afrique, nous avons Tata Kimbangu. Le kimbanguisme est là pour l'Afrique, le berceau de l'humanité, pour les Bantous et les humanités entières parce que les humains premiers, le peuple originel, c'est le peuple Congo. Les Bantous, c'est pas Bantou, mais Bantou, les premiers. Et donc, c'est en nous, les choses se sont concrétisées convenablement. Ainsi donc, le chiffre 6. Nous, les chiffres, c'est le siféré, comme disent les Arabes, le vide. Non, nous, c'est pas un vide. Nous, au départ, on appelle ça Ntalou, en Congo. Ntalou, en faisant usage du principe de Mandombe, en faisant ce qu'on appelle le verlan, en lisant dans l'autre sens. Il y a un monsieur que j'ai rencontré hier, un certain Alain, hier, sur la place publique de Dijon, qui m'a parlé d'un mot. Il dit, les mots, il y a des mots qui se lisent de gauche comme à droite, de droite comme à gauche, ils ont le même sens. Il a utilisé un terme
qui m'a, que j'ai appris hier, d'ailleurs, je le remercie pour ce monsieur, pour cela, monsieur Alain. Il y a un mot qui existe en français qu'on appelle la pole, la plaie. Ah, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Je veux peut-être le trouver parce que je l'avais écrit. Le mot en question, ça se lit là. Le mot la palindrome, c'est un mot, le palindrome. Voilà, un palindrome. Un palindrome, c'est des mots ou un groupe de mots qui peut se lire indifféremment, de gauche à droite ou de droite à gauche, en gardant le même sens. Vous voyez? Un palindrome. Par exemple, un exemple, quand j'écris par exemple la phrase « La mariée ira mal », vous pouvez le lire dans le sens, ça sera la même chose. Faites l'expérience. « Roma à mort », c'est la même chose. Et donc, les palindromes, le mandom, le pakunungu pelekete, c'est comme l'autre phrase qui me revient à l'esprit, je lis ici, Noël a trop par rapport à Léon. Noël a trop par rapport à Léon. Trop de T-R-O-P. Quand vous lisez dans ce sens, ça sera la même chose. C'est le même mot, c'est la même phrase qui sera qui dirait de gauche à droite. Et j'étais heureux de rencontrer ce monsieur parce qu'hier, j'avais mon amant, mon blazer du Mandombe, et c'est grâce à il a découvert le spa qu'on nous appelait, qu'il m'a posé, il était le Gaulois, le Caucasien, en question, était curieux de savoir ce que ça voulait dire. Je l'ai expliqué, on a commencé à échanger. Et j'ai appris ce mot-là. Donc, grâce à le pas qu'on nous appelait, que je portais, j'ai appris quelque chose. Le palindrome, c'est-à-dire que c'est des mots qui... Donc, le pas qu'on nous appelait, c'est un palindrome. Chez nous, quand tu regardes le 5 et le 2, quand tu mets le miroir au milieu, le pas qu'on nous devient pelekété, le pelekété ne devient pas qu'on nous. Donc, tata qui m'angoute de dire à Pau Abelajo, n'talou za zole mouene, n'talou, l'ouvangi la diabio, l'ouvui d'infounou, mou activité matérielle. Ces deux éléments que tu as découvert sur le mur de briques, tous ceux que vous aurez besoin d'activité matérielle, vous allez trouver grâce à ces deux éléments-là, commencez à l'étudier. Ainsi, Pau Abelajo, commencez à étudier cette science, ces deux éléments, et ça donne toute l'écriture complète. Alors, qu'est-ce que voulons signifier ici aujourd'hui? On est le sixième jour. Le sixième jour, on est à six jours plus tôt de l'événement, de la forme physique de Dieu, le Saint-Esprit qui va sous le soleil. Donc aujourd'hui, on est à six jours. Papas et mamans. Et donc, moi, j'avais fait une recherche et j'ai fini ma thèse à l'Académie française, à l'Académie de Mandombe, s'il vous plaît. L'Académie de Mandombe à l'université Papa Simon Kimbangu à Kinshasa. Où j'avais expliqué, papa, ma recherche, le Mandombe, c'est une science, Zahi, qui veut dire savoir. C'est la mathéma. Parce que la mathématique, c'est une partie de ces sciences. Mathématique veut dire mathématicus, ça veut dire savoir. Et les deux éléments fondamentaux dans le pas qu'on nous fait les guetter, en Congo, on appelle ça. Donc, d'après ce que Papa Abelajo connaissait dans son projet, c'est des chiffres, il avait appelé des chiffres. Donc, des chiffres veut dire une talou. Oh, Mandombe, moi j'avais dit Mandombe. Mandombe. I Ntaloulou à Mambumunza. C'est la manière d'observer les faits ici-bas sous le soleil dans ce monde. Parce que les inventions, c'est de l'observation. Mais observer, il faut avoir maintenant le rapport avec celui qui a fait les matières à soi pour que tu disposes quelque chose afin de porter une nouvelle donne. Donc inventer quelque chose qui va aider la société dans le vécu. Voyez-vous? Ntalouza zole mwene. Ntalou. L'ouvangila diabio. L'ouvuidimfunu. Mou acte matériel. Voyez-vous? Donc, Papa Simon Kimbangu, dans son amour majestueux, est venu donner ces chiffres. Six jours de l'arrivée du Papa Simon Kimbangu ici sous le soleil. Jour J moins 6. 6, 9. 6, 9. Papa Kimbangu est le chiffre 9. Et oui, mes amis. Il a fait de sorte qu'un humain, dans son corps humain,
et 9 orifices. Vous pouvez les compter. Il a décidé, pour une gestation normale d'un enfant dans le ventre de sa mère, c'est 9 mois. Et lui, le corps qu'il a pris, le premier corps qu'il a pris sous le soleil, c'est ce qu'on appelle le puta. Après avoir décidé de se transfigurer, on peut pas se moquer, manque ou qu'il a gagné. Le 12 octobre 1951, en fermant l'œil gauche, l'œil droit ouvert, il est allé rester sous terre pendant 9 ans dans le cimetière de Sapin à Lubumbashi. C'est ce qu'on appelle, cette ville qu'on appelle Lubumbashi, mais ce n'est pas Lubumbashi, mais Lubumbashi. C'est des choses que nous sommes en train de prendre notre autorité au pays. On va changer ces qualificatifs-là. On va donner les qualificatifs appropriés. Lubumbashi. Je veux bien rappeler que c'est le terroir de Passement Kimbang qui avait décidé cela ainsi. C'est là-bas qu'il est allé garder son corps, au Lubumbashi. Il a gardé ce territoire. Donc, ce Congo-là, on ne pourra jamais le morceler. À Berlin, ils avaient réussi de nous morceler. Mais tel que nous travaillons actuellement, jamais, plus jamais, quelles sont les infiltrations de l'Est, Kagame pourra bon faire. Je me permets de le citer. Il est utilisé par les Occidentaux, il est ignorant. Le RD Congo, jamais, au grand jamais, Papa Kimbangu, à Lingaki Congo, à Lingaki Mboka, Wana, il avait Lingaki. Si vous regardez son parcours, quand il fut arrêté le 12 septembre 1921, injustement condamné à mort, déporté à des kilomètres, il a fait le tour par le haut. Il avait parcouru tout le territoire. Donc il avait bordé à Lingaki. Fini. On ne pourra jamais diviser ce territoire. C'est la chambre dortoir, Tata Kimbangu. C'est le seul pays au monde, selon les décisions de Berlin. 9 pays entourent ce territoire. Notre territoire. L'abdomen de Tata Kimbangu, son ventral, parce que sa tête c'est Yayakanda, Angola, et les pieds c'est le petit Congo. Papa Zé, maman. Jour J, moins 6. L'importance des chiffres. Ndalou. C'est vrai. Aujourd'hui, en marketing, tout ce qu'ils font, la comptabilité, s'il n'y a pas de chiffres, ils ne peuvent rien faire. Or, ici, Papa Adrien Fouakasumbu, je vous recommande de trouver ce livre. Je vais vous faire état de quelques éléments, si Papa Simon peut le permettre, de vous faire état de son article qu'il a publié dans notre compte. Papa Adrien, si tu le permets. C'est son livre hein, qu'il a écrit. Le livre s'appelle, je le répète, Le principe à l'origine de l'écriture Mandombe et ses implications. Papa Adrien Fouakasumbu, reçoit l'écriture négro, l'écriture africaine Mandombe ici en France. Papa Adrien, on va le parcourir. Il est distribué quoi? Ici, je disais tantôt, le chiffre. Qu'est-ce que c'est que le chiffre? Aux origines des chiffres. Nsasa Antalo Boyinina. Mamouilou. Nsasa Antalo Boyinina. Mamou, wenda kuna kuiza ko mama. Wenda kongu diya. Wenda kongu mame. Dolo kongu diya. Wenda kongu mame. Kuiza ne. Excusez-moi. Aux origines des chiffres. De l'os du Shango aux abords de la rivière Semiliki en République démocratique du Congo au chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Papa Adrien Fouakasumbu nous dit ceci. De la numération au bassin du Congo à la propagation Ah, est-ce qu'on peut travailler comme ça vraiment? Mamouilou. Oui, ça bagarre le moine, quoi vraiment? On a compté mon image. On a compté mon image. Je m'excuse. Africa,
Je parle des chiffres ici parce que je voudrais bien faire état cet article parce que tu disais tantôt, les chiffres sont très importants dans cette science, cette nouvelle pour le développement du continent africain. Et là, nous voulons rappeler certains éléments que tout est notre au départ. Tout nous appartient au départ. Mais il y a eu ce qu'on appelle le stolen legacy. Il y a eu un vol. Alors, de la numération au bassin du Congo à la propagation des nombres en Afrique. Ça, c'est le point A. Le point B, de l'éclosion des chiffres en Égypte à leur évolution en Inde. Et le point C, des chiffres indiens aux chiffres arabes. Et le dernier point, le point D, de la propagation des chiffres par les Arabes à la diffusion universelle par l'Occident. Donc les Européens, et c'est là où j'ai toujours regretté par rapport à ce qui se passe souvent entre la pratique chrétienne, parce que les Européens, leur fondamental, c'est le Christ, c'est Jésus. Les Arabes, leur fondamental, c'est Mahomet. Là-bas, en Orient, je vous ai fait le document d'hier concernant les Africains qui vont chercher le bien ailleurs, alors que le bien est à côté d'eux, notamment en Afrique centrale. Et nous, on a attaqué Mbangu, justement, l'Afrique. L'Africain, ton regard doit se porter vers Nkamba, l'Afrique centrale, et non de l'importation inappropriée. Parce que chez nous, on dit Kiaku, Kiaku, Kiangani, Kiangani. Et nous, on a attaqué Mbangu. Et on t'attaque Mbangu, se résume tout, absolument tout. Et donc, je disais tantôt, les Européens, nos enfants, que j'appelle les Bassimbissa, l'ordinateur, tout ce que nous voyons, les chiffres, c'est un quart qu'on nous a fait tenir. Parce que le Christ, c'est Jésus, quand il a donné le relais à Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu dira, moi Kimbangu, les quatre coins du globe terrestre m'ont été confiés. Ça m'appartient dorénavant. C'était là-bas à Ongoka, quand il a visité ses enfants, en 52. Il a paru là-bas, Papa Simon Kimbangu. Le 29 juillet, 52. Il dit, moi Kimbangu, moi là-bas à Congo. Donc les quatre coins du monde m'appartiennent. D'où le pan qu'il portait à l'époque. Parce que le teuf qui portait le pan là à quatre coins. Nord, sud, est, ouest. Il n'y a pas d'échappatoire. Les quatre cardinaux lui appartiennent. Le stellaire qui s'est manifesté le 3 septembre 1910 sur la voûte de Kamba, et on ne changea pas Papa Simon Kimbangu avec son collègue Papa Kumpenda dira, moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau 1918. Et ce n'est pas Diagenda que suis né, qui était né en ce moment-là, le 22 mars, à la place de la carte d'Afrique, où est apparu le 3 février 1989 cette monticule qui avait formé la carte de l'Afrique. Allez en Kamba, vous allez trouver cette place-là. Et c'est là où fut créé le premier humain. Kakamuki fut tiré de là-bas, de cette terre, cette place-là, à part de l'Afrique. C'est là-bas qui fut créé, papa Adam. Je reviens. Les chiffres. L'Occident a un problème parfois avec le monde, spirituellement parlant, avec le monde arabique. Ils viennent poser des bombes ici, ils tuent les gens d'une manière. Ils ont un divin inapproprié. Parce que Mahomet, je n'ai pas le cité dans son égire, parce que c'est notre fils Mahomet. Il dit bien, il est né dans cette pratique issue de Ismaël. Ismaël, il avait un don. Parce que c'est vrai qu'il est né dans des conditions inappropriées, mais il a donné l'islam. Mais son travail, quand il inspire Mahomet, Mohamed, quand dit le Dieu, il a inscrit un Dieu. Ben oui, parce qu'il croit que Abraham, il avait à l'époque Abraham, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu. Il est unique, mais il est 33. Mais eux, ils ne connaissent pas ça, eux.
Ils ont dit Jésus-Christ, c'est Issa, c'est rien, il ne compte pas. C'est un prophète comme Mohamed, ou Mahomet. Et Mahomet, il a échappé. Belle. Son action, au départ, on pouvait le louer, mais il n'a pas supporté. Il a fait ce qu'on appelle l'égir de la Mecque. Et oui, il a fui. Il s'est échappé. Contrairement à Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, malgré le 6 avril, c'est vrai, il s'est échappé. Il dit que moi, je n'ai pas encore fait mes 5 mois. Parce que moi, j'ai dit en 5 mois. Les 5 en moi. Bangomita no Katinangai. Le stellaire à 5 branches. Les 5 mois. La forme est un peu inversée. Il faut vous montrer ça ici. Les 5 mois. Et le 12 septembre, il est sur Mathieu. Il n'a pas fui sa mission. Il a accepté la souffrance. 30 ans de prison dans une cellule qui mesure 1m80 sur 86 mètres de large. Tous les jours, il était flagellé de 120 coups de fouet. Mais Mohamed avait fui. Il s'est échappé. Et oui, mes amis, c'est ça. D'où après l'inspiration, puisque tu n'as pas réussi ta mission. On force les gens, non. Le libre arbitre. Dieu donne à tout un chacun sa disposition. Parce qu'il y a des enfants de Dieu et des créatures de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui exécute l'ordre de son père. Papa et maman. Les chiffres. Les chiffres. Le chiffre est l'une des plus extraordinaires créations de l'intelligence humaine. Il a fallu de nombreux essais et un temps très long pour que se mette en place la notion de chiffres. Les chiffres modernes que nous appelons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais tout mon commandement t'a de voir. T'as attaqué sur lequel? T'as attaqué l'ungana? T'as attaqué l'ungana? Parce qu'on m'a nommé le commencement, c'est un triangle équilatéral. C'est papa qui sur lequel? Papa de l'ungana? Papa de l'ungana? Dans la lettre K. K de Tata Kimbangu. K de Tata Kiangani. K de Tata Kisolokele. K de Tata Kuntima. Et oui, mes amis. Tata Kisolokele, donc le triangle équilatéral du départ. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda. Il y a le Yeka, Moussi, Zole, Tatu, Ya, Tanu, Samanu, Nsambodia, Nana, voix dieto, ce qui nous appartient. Ça s'arrête là. Parce que ce qui suit après, ce qu'on appelle des nombres. L'association de deux chiffres qui donne 10, 11 et ainsi de suite. Mais fondamentalement, il n'y a que le commencement. Donc, papa qui soit le papa dit longana, papa dit longana, j'appelle le Kididi. Après, il y a le Mossi, le Zole, le Tatou, le Ya, le Tanou, le Sambanou, le Sambouali, Nanavoa et voix. Tout le monde ici. Même. Donc, au commencement, ce n'est pas le vide. Tel qu'ils disent les Arabes, c'est ferré, le vide. Ce n'est pas un rond, non. C'est un delta. C'est un triangle équilatéral. Dans le Mandombe. Oui, dans le trois quarts. Dans le un quart, vous faites un rond. Non, ce n'est pas le Toyubo. Non, ce n'est pas un vide. Parce que Agar, Ismaël, avait profité du vide qui avait entre Abraham et Sarah, et Agar a profité. Donc l'esprit, quelle inspiration c'était, je ne vais pas mettre en doute, a agi en maman, Sarah, parce qu'elle n'était pas patiente. Elle n'a pas cru en la promesse divine. Eh bien, maman Sarah, le vide, toujours le vide. Satan, on dit souvent, la nature a horreur du vide. D'où ils disent après dans leur exégèse explicative du Coran, il y avait un vide. Ils appellent des djinns, des consorts. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais chez nous, il n'y a pas un vide. Au départ, la création, c'est l'œuvre de notre modèle politique. Papa qui est sur lequel est loqué. Et oui, mes amis.
Dieu le Père. Le fort, c'est-à-dire Charles. Le fort, qui est un prénom d'origine germanique, veut dire car, dire le fort. Wangolo. Lui, à 7 ans jugé, mais il n'a pas cédé. Il n'a pas craqué. Il a dit toute la vérité que mon père a accompli des actes. Dieu Rossi l'a beau influencé. Qui solo qu'elle est? Alors, dis, est-ce que ton père? Oui. Solo nanga eko zala se solo. Eko bongwana lokutate. Ludikame. Et ludia songa kyo munza. Il a dit la vérité. Mais aujourd'hui, d'aucuns viennent s'approprier du terme, du qualificatif de Kisolo Kele. Mais ils se révèlent dans le mauvais camp. Tu peux être Kisolo Kele, d'accord. Mais quel est Kisolo Kele? Est-ce que tu le révèles dans les bonnes manières? Ou dans l'affrontement contre un Kamba? Tu peux être Kisolo Kele, mais Kisolo Kele, Kisolo Kele toi? Kisolo Kele toi bien, mais non Kisolo Kele mon mauvais. Ntalou, les chiffres. Nous, on revient. N'chalouzazo les moines. Donc, ici, les chiffres, ça part de la Trinité Céleste. Papa qui solo kele, papa dit on n'a pas d'engena, le Kididi. Je dis bien, chez nous, on m'a nommé le commencement, c'est un triangle qui est latéral. C'est-à-dire un triangle qui a trois côtés égaux. Parce que les trois, la Trinité, papa qui solo kele, on ne peut pas les séparer. Dans leur action ministérielle sur terre, Satan avait essayé. Le malheur à Lucifer, c'est que physiquement, c'est vrai qu'ils étaient des formes, ils avaient des formes physiques différentes, mais génétiquement parlant, ils avaient les mêmes chromosomes. Et oui, mes amis, le X de Kakamui Lukiawanga qui est descendu, on ne peut pas qu'il soit lequel est. C'est le X qui avait dans papa de Lungana, c'est le X qui avait dans papa d'Yengenda. Le Y, le patrimoine génétique qu'ils ont récupéré de leur père, papa Kimbangu, c'est le même Y, là je parle de la génétique, hein. C'est le même Y qui est descendu au papa Kisolo Kele, le même Y qui est descendu au papa Dialungana, le même Y qui est descendu au papa Diangenda. Et donc les gens ont voulu faire les séparer parce que les gens colportaient. Ils quittent, il n'y a pas Kisolo qui va dire des choses, il n'y a pas de Lungana qui va dire des choses, il n'y a pas de Diangenda. Et du coup, ils cherchaient à les diviser. Mais rien à faire, ils formaient une seule personne. Mais, je vous une parenthèse, si vous le permettez. Arriver dans la postérité d'un voilà, c'est-à-dire les enfants issus de Papa Kisolo Kele, les enfants issus de Papa Dialungana, les enfants issus de Papa Diangenda Kuntima, ceux-là, ils ont un souci, biologiquement parlant. Mais oui, mes amis, s'ils pouvaient hériter le patrimoine génétique du point de vue du père, mais Maman Tsalulu Akanda est venu avec un autre X. Maman Kiwasi Siloa est venu avec un autre X. Maman Mvete Bibi, paix à leurs âmes, est venu avec un autre X. D'où Papa Diangenda dira à sa postérité le 25 mars. Date notre anniversaire, nous les médias qui mongissent, parce que nous on est nés les médias qui mongissent, le 25 mars 1960, date à laquelle Papa Diangenda Kuntima dispose la caméra à Papa Kalamvuila afin de filmer les images d'exhumation du corps qui n'a pas connu de corruption. Ce corps incorruptible, en lui, c'est exécuter les prophéties du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 26 jusqu'à la fin, où il est dit que je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux. Ce corps, quand il est exhumé le 25 mars 1960 à Lubumbashi, au cimetière des sapins, le corps-là ne se mélange pas avec la terre, il transpire. Ce corps-là, il vit dans le sanctuaire sacré de Kilongo. Le Kilongo. On ne dit pas mausolée. Mausolée, c'est mausole. C'est un turc. Nous, c'est le Kilongo. Il faut que les gens adoptent et s'imprègnent de notre jargon communicationnel. Les termes inappropriés, ce n'est pas convenant. C'est le Kilongo. Dans le Kilongo, Kinakanglongo. Dans Longo, dans Ngolo. Ngolo, Yilongo. Et donc, le 25 mars,
notre date de naissance, nous les médias, ce corps-là est rentré en Kamba le 3 avril. Il est dans le sanctuaire en hauteur. Vous savez, d'autres corps qui sont dans le sanctuaire de Longo sont en bas. Mais lui, son corps est élevé. Papa Simon Kimbangu. Et donc, le 25 mars, notre date de naissance. Et donc, le 25 mars, Papa Diangenda Kuntima, dans la résidence Kazavubu. La résidence qu'on avait conçue pour Kazavubu à l'époque, on appelle généralement Abizu Mokoto, là-bas en Kamba. Il réunit sa postérité. Même les infiltrés étaient à l'intérieur. Et oui. Et ça va, Papa Kisolokele, Papa de Longan, ils ont élevé des enfants. Et donc, parmi les infiltrés, ils sont tous réunis là-bas. Il leur a dit des choses. Si vous vous contentez votre corps physique, vous ne pouvez pas former l'unité. Vous pouvez former l'unité que par rapport à la spiritualité. Donc, spirituellement parlant, dorénavant, dormir à Kinshasa, c'est lever en Kamba. C'est lever en Kamba, dormir à Kinshasa. Dorénavant, moi, j'ai fait ma remise en cause avec le Christ et Jésus, Papa de Longan. Regardez dorénavant lui et cette postérité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, Kinsuni, Kinitukwani. Eh, Enzambiankenda. Wiza, Wangyalado. Makinza, Meti Kunkwamisa. Mfumwame. Umpuluza Wiza Wanyandalado Makinza Meti Kunkwamisa Mbenge Zeye Pasiza Me Mkondolonta Nini Mumwe. Avant d'avoir un camp, il se passe quelque chose là-bas. Suivons. Tadidia Ngolo, la tadi, la pierre, le stone, the stone, la pierre. Donc, je disais, tonton, chromosomiquement parlant, cette postérité, s'ils n'avaient pas l'unité spirituelle, ça sera difficile parce que physiquement, l'unité biologique, elle n'est pas naturellement unie. Parce que les chromosomes, disaient, maman VT est venue avec des chromosomes X, maman Kiwa est venue avec des chromosomes X, c'est pas les mêmes chromosomes. Ils n'ont pas le même patrimoine génétique. Ce qui peut les réunir, c'est le spirituel. Donc, il faut qu'ils s'élèvent spirituellement. Je prends un exemple. Les sacrements que nous avons dans l'institution de Tata Kimbangu, qu'on appelle le baptême, le mariage. Ici, je vais faire état du sacrement de mariage. Quand Papa Kututu qui dit, Papa Laoche, bonjour, Kiambotekaku, c'est Diam. Quand Papa Zoladio Vanga, qui solo kele, veut se marier, le Christ Jésus
prévoyant qu'il est. Il dit bien, Moutak Tutu qui dit, Zola de Vanga, parce que ces deux, ils ont un secret, que leur père, il leur avait dit, d'après les reportages, les témoignages qu'ils ont rapportés, que vous deux, vous êtes interdépendants dans le bien. Mais Lucifer, qui déteste toujours les choses, le Christ Jésus demande à Papa Zola de Vanga, Michel Kisolokele. Le Christ Jésus, Papa Dialongana, demande à Mouta Martorel Koutoutou qui dit, vous allez vous marier. Votre sacrement de mariage, venez ici en Kamba. Est-ce que avait-il exécuté cela? Mouta Salomon, le Noyi du Christ Jésus, Papa Dialongan, se marie. La cérémonie finie. Papa Dialongan et le Christ le prévient. Il y a un infiltré qui viendra te solliciter, t'apportera des choses. Prends garde à ces présents qu'il va t'apporter. Est-ce que avait-il exécuté tel que le Christ avait demandé? Moulemi wilanga masé, ditu mwina ngampasi, kadima kutumeto, kama wilanga zindongi za maseko. Moulemi wilanga masé, ditu mwina ngampasi, kadima kutumeto, kama wilanga zindongi za maseko. Bubeti boka fuku ye mwini bete muwanga tu wangako. Bau baiza muku tukula basi tu akota munke mwadise. Mumona tuena ye vovana ya ungana nijeka tumona munza. Kenda zikala yeto ule mbikwi kila vavanza. Le fait de ne pas exécuter ce que le Père demande, et voilà ce qui n'arrivera pas, ne pas arriver, arriva. Le Christ et Jésus, 9 ans durant, le chiffre 9 revient. Il est resté entre 1992 à 2001, 9 ans, qui nous a supporté, que le Christ a porté sa charge pour faire rentrer dans sa bergerie le 100e brebis qui n'avait pu réussir là-bas à Nazareth. Voilà. Penda Kiambote, nous revenons ici donc, ici, à Dijon. Sosola Tango, Stanaro Ningisa. Et oui, mes amis, il s'écoule partout. Donc, papa et maman, j'ai tantôt, le fait de ne pas exécuter l'ordre recommandé par le divin
Papa qui de Lungana Kiangana en l'occurrence, parce que c'est lui qui était resté en dernier. C'est lui, le Christ, donc quand il y revient, il vient faire rentrer dans sa bergerie. Kandadia vwezo kavo, kalwave wangangu kwe. Bweiluzaidivo, mungoda yatano molombo kia makumole. Yetanuya iza mwa munza. Bana, luyambo langi nduza buzoba. Luyangalala bana mula wedi lutambudi. Yisu utukidi mu kandadia vwezoka. Le Christ est Jésus, papa Dialungana. Le 25 mai, il reprend corps physiquement sur terre. Et donc, c'est lui qui reste en premier, qui accepte ce qu'aurait dû faire Adam le jour qu'il a connu sa forfaiture du coup d'État à l'Éden. Il n'a pas demandé pardon. Et cela s'est accompli en cette quatrième génération. Où donc l'homme africain, par l'entremise de son image spirituelle, qui est donc le kimbanguisme, le 24 décembre 92, nous sommes agenouillés. Nous avons porté des vêtements qu'on appelle ngoto pour nous effondrer devant notre Créateur en sollicitant son pardon. Et ce pardon-là fut donc exécuté. Fut accepté. Et Papa le Christ Jésus dira, Dialungana, que ce qui était à gauche est allé à droite, ce qui était à droite est allé à gauche. Et depuis là, nous avons retrouvé ses capacités aujourd'hui. En 1994, il dira, Papa Wabala Diompaï, mon fils, tu es mené au zénith. Commence l'enseignement de la science Mandombe. Parce que c'est avec cette science-là, c'est avec l'écriture Mandombe, tout ce que vous aurez besoin dans votre bien-être social. Les inventions, vous allez inventer. Ce que vous voyez ici, c'est le monde, c'est le un quart seulement. Mais le trois quarts va sortir de Pakundungu et de Pelegete. Mouna Pakundungu, et Mouna Pelegete. Mouna Pelegete, Mouna Pakundungu. Masonomando Manote, Matondo, Kwanzambi, Naninzambi, Nondo, Tata Kimangu Kiangandi, Nkwatulendo. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin, trois hauts. Trois fois haut, oh, omnipotent, oh, omniprésent, oh, omniscient. Le Tout-Puissant, quoi tout l'aide. Il vous dit, prenez ça, mes enfants. Ndalouza zole mwene, intalou, louvangila, diabio, louvouidi, mfounou, mou activité matérielle. Tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle pour votre bien-être social. Pas l'importation de la Chine, non. C'est l'usurpation. Pas l'imposition d'Occident. Non, 60 ans aujourd'hui, des intellectuels bébés. Comme a dit Padang dans mon team hier. On appelle intellectuels, mais qui n'importe quoi. J'ai Bac plus 40, Bac plus 16, j'ai fait HEC, j'ai fait Sorbonne, Stanford, Yale et consorts. Mpavala, mon âme, pavala. Maon, selon mes mon Yélo-Sélène. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance. Kimbanguiste, donc africain, l'humanité entière, faisons confiance à sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Mais toujours un peuple modèle qui est donc les enfants de Papa Simon Kimbangu. Nous, bête, Papa Kimbangu, bête. Monodia Congo, n'y a rien la mambo. Le messager a fui on weekend. We are free on weekend because we got a power. We will win. Ce que j'avais dit à Bill Clinton à l'époque. Parce que Obama, quand il viendra à la mâchature, j'ai dit, il répond à ma question. J'avais dit à l'époque, we are free on weekend. Et lui, dans sa compagne, il dit, yes, weekend. Oui, mais répond. Yes, weekend, mais attention. Mpoukou mounouni. Non. Kamba d'abord. Kamba d'abord. Papa et maman, je vais m'étendre. Merci de votre attention. Je reviendrai à d'autres occasions pour le texte de mon confrère Tata Kikiteke Mandombe, mon responsable de Mandombe ici en France. L'article est disponible. Allez vous disposer de son livre qu'il a écrit.
Il est dit ceci, les chiffres est l'une des plus extraordinaires créations de l'intelligence humaine. Il a fallu de nombreux essais et un temps très long pour que se mettre en place la notion des chiffres. Donc, Ntalou, Ntalou, c'est Ntalou, Luta, donc le bénéfice. Hein? Que nous utilisons aujourd'hui sont le fruit d'une invention progressive. Tout le monde sait que ce sont les Arabes qui ont fait connaître au monde occidental les chiffres. Ces chiffres, donc. Le mot chiffre vient de chiffre, donc le vide. D'où l'expression de chiffre arabe. Mais en réalité, c'est l'Afrique qui est le point de départ de l'évolution de forme de chiffres ou le berceau de la numération avant que celle-ci puisse passer par le Proche-Orient et la vallée de l'Indus, puis le Moyen-Orient, avant d'atteindre enfin l'Occident. L'humanité, de son berceau à son épanouissement, a mis des millénaires pour créer des chiffres. Elle est passée de l'expression de la quantité aux chiffres en passant par des nombres. Ceci dit, avant de créer les chiffres, l'être humain, donc, je n'aime pas l'être humain, je veux l'humain. Parce que celui qui est devenu, c'est le chiffre qui est devenu humain. Mais nous, on est humain au départ. Donc, bon, la notion d'être humain et humain est deux choses. Il faut faire le distinguo. Donc, l'humain a commencé par dénombrer. En d'autres termes, l'idée des chiffres vient de l'aventure de dénombrement. Ou tout simplement de la... Donc, du deuxième mot, je disais tantôt, c'est dans le souci, non seulement de mesurer le temps, précisément pour des raisons d'agriculture, de pêche et de chasse, puis de fabrication d'outils, mais aussi pour distinguer les différentes quantités issues de ces activités ou de la fabrication d'outils que l'être humain avait eu besoin de savoir compter. Sur le plan purement historique, papa Adrien, je le cite, cette aventure de nombre remonte à plus de 23 000 ans avant notre ère, en plein paléolithique. La première et la plus proche, plus longue période de la préhistoire, où l'être humain inventa les entailles numériques. C'est dans le petit village appelé Ishango, à l'angle de lac Idim Amin Dada, anciennement Édouard, et de la rivière Simliki, une des sources les plus lointaines du Nil, que jaillit de ce même lac pour se déverser dans le lac Mobutu, en République démocratique du Congo, qui fut découvert l'os d'Ishango en 1950 par l'archéologue belge Jean de Heizelin de Beaucourt. Cet os d'Ishango, exposé à l'Institut royal des sciences naturelles en Belgique, est le plus ancien instrument mathématique connu sur lequel sont gravées les entailles numériques. Sa datation proposée au début par Aslin de Beaucourt fut de 9000 ans avant notre ère. Puis l'équipe des scientifiques du musée royal de Tervueren, qui avait utilisé une autre méthode de datation, la repoussa en 1987 à moins 23 000 ans, trois siècles après la vulgarisation des chiffres par les Indiens. Et ce, au-delà de l'Inde. Un ambassadeur indien fut accrédité à Bagdad en l'an 1713, dans le but de prendre officiellement ses fonctions. Ce dernier se rendit au palais royal auprès du calife Al-Mansour, 754-775. Le commandeur des croyants, une fois sur les lieux, pour présenter sa lettre de créance, il profita de l'occasion pour offrir des cadeaux au calife. Parmi ces cadeaux, il y avait un document écrit en sanskrit et intitulé Brahmashfuta Siddhanta, système révisé de Brahma. Système révisé de Brahma.
un traité d'astronomie avec ses tables écrites un siècle plus tôt, en 628, par un génie indien nommé Brahmagupta, et dans lequel on trouva 10 petites merveilles. Il s'agissait des chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec des calculs. Les travaux d'Al-Khwarizmi permirent aux Arabes d'utiliser dans un premier temps les chiffres indiens, Nagari, anciens, dans leur forme d'origine. Puis ils apportèrent des modifications qui leur donnèrent quelques variations, puis subirent une évolution. Si. Excusez-moi, je suis désolé, je vais pouvoir interrompre mon live. Je vous souhaite bonne journée. On reviendra plus tard pour ce que nous occupons. À bientôt, au revoir, Stomanana. J'ai sa divinité, Pasimo Gamien. Merci, à bientôt.